Marie-Dominique Mazzarello naquit près de Mornaise, au Piémont, le 9 mai 1837, de Joseph Mazzarello et de Madeleine Calcagno, un couple de cultivateurs. Elle aura 6 frères et sœurs. N'ayant pas d'école au village, son père lui apprit un peu à lire et à compter. C'est lui aussi qui lui a pris les premiers cours du catéchisme. Papa, mais Dieu, que faisait-il avant de créer le monde? Que faisait-il? Hein? Il se contemplait lui-même. Il s'aimait lui-même. Il était bien avec lui-même. Parce que, tu vois, Maïn, Dieu n'est pas seul. C'est un peu comme moi, toi, maman et Félicina. Nous nous aimons bien. Dieu est comme ça. Il aime. Maïn n'était pas une fille parfaite. Comme tous les enfants, elle avait des défauts à corriger. Parfois, elle disait des petits mensonges. Puisqu'elle aimait bien le fromage et elle ne pouvait pas résister à la tentation, quand elle le voyait, elle le prenait tout de suite sans demander la permission à sa maman. Maïn! Maïn, où es-tu? Ta sœur te cherche! Tu me réponds? Maïn! Voilà. Qui c'est qui a mangé le petit fromage? En 1843, Joseph décida de déménager avec toute la famille pour s'installer à la Valponaska, une ferme assez loin du village. Depuis 1849, un jeune prêtre, Don Pestarino, vint au village pour s'occuper des enfants et des jeunes. Il faisait la catéchèse aux enfants du village. Maïn le prit comme directeur spirituel. Le commandement le plus grand. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et aime ton prochain comme toi-même. La gagnante est Maïn des fermes. Adolescente, elle suivait la mode et l'élégance à tel point que le village la surnomma la boule, c'est-à-dire une personne qui veut paraître et se faire remarquer. Elle aimait bien s'acheter de nouvelles robes à la mode ou encore des paires de bottines vernies. Elles te plaisent? Beaucoup. Les chaussures pour les belles. Je m'en occupe. Saluez-le pour moi. Regardez comme elles sont belles. Oh oui, elles sont vraiment belles. Moi aussi, je voudrais avoir des bottines comme cela. Suivez mes conseils. Ne craignez rien. Vous savez que l'autre jour, j'ai vu passer des animaux. Lesquels? Des oies et même des chevaux. Avec le conseil de Don Pestarino, Maïn apprit à laisser la vanité et à embrasser la vertu de la simplicité, ainsi qu'à se contenter de l'essentiel. Don Pestarino a raison. C'est plus beau d'être que de paraître. C'est plus beau. Avec sa petite sœur Felicina, Maïn faisait volontairement des sacrifices, mais elle n'aimait pas se confesser. C'est peu à peu que Maïn dépassa la répugnance de la confession et qu'elle comprit que les sacrements ouvraient davantage à l'amour de Dieu et des autres. Au secret du confessionnal, Marie-Dominique apprend à se corriger de ses défauts, car elle en avait: gourmandise, vanité, impatience, orgueil. En 1850,
le jour de sa première communion, laisse une marque importante dans sa vie, au point que, depuis ce jour, elle pense toujours à Jésus qu'elle reçoit dans l'hostie et essaie toujours de lui plaire. Papa, demain je vais faire ma première communion. Je n'arrive pas à m'enlever Jésus de la tête. C'est l'heure de dormir maintenant. Sous les couvertures. À partir de demain, ce sera toujours ainsi. Ou je penserai à Jésus que j'ai reçu dans l'hostie, ou bien à Jésus que je vais recevoir. Comme je voudrais plaire à Jésus. Jésus, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Alors, moi je suis l'arbre et toi les racines. Depuis ce jour-là, elle se dévoue aux choses spirituelles et elle grandit en sagesse et en vertu. Elle ne manqua jamais son rendez-vous avec Jésus chaque matin. De même, elle ne manqua pas de faire ses tâches domestiques avant de partir à la messe. Marie-Dominique se privait du sommeil pour ne pas arriver en retard à la messe matinale. Parce qu'elle n'avait pas de montre, une fois avec Felicina, elle partit à la messe à 3 heures du matin. Demandons-lui quelle heure il est. Ainsi, il ne s'apercevra pas qu'on a peur. Quelle heure est-il? Il est 3 heures après minuit. Que faites-vous seul à cette heure? Nous allons à l'église. Ah bon, si tôt? Nous aurons plus de temps pour prier. La pluie et même la neige d'hiver ne pouvaient pas empêcher Maïne d'honorer son engagement de chaque matin, le rendez-vous avec Jésus au Saint-Sacrement. Jésus, quand je suis ici, c'est toujours l'été. Je pense continuellement à toi. Je vis chaque chose avec toi et j'y mets tant d'amour. Toujours. Depuis la petite fenêtre de sa chambre, Maïne pouvait voir les vitraux éclairés de l'église de Monez et prier dans le silence de son cœur. Sa maman s'était aperçue de la disparition de sa fille chaque soir à la même heure. Depuis peu après le repas, Maïne disparaît. Qui sait où elle va se cacher? En fait, ils disparaissent tous. Mais mes petits, on va les chercher. Jésus est là, dans le tabernacle de l'église. Nous lui tenons compagnie. Répétez après moi. Jésus, tu es une source. Jésus, tu es une source. Jésus, tu es comme un soleil qui ne se couche jamais. Plus tard, Maïne réussira à réunir toute la famille pour prier dans sa chambre chaque soir. Tu es vrai Dieu et vrai homme. Jésus, tu es vrai Dieu et vrai homme. Marie-Dominique avait une santé de fer. Très tôt, elle s'adonna au travail aussi dur que les hommes. Ceux-ci disaient à son papa que si elle continuait ainsi, il ne viendrait plus travailler avec eux. Papa Joseph dit donc à Maïne, « Tu dois te modérer dans l'humilité, dans la douceur et dans la bonté. » Elle aimait s'unir à Jésus présent au tabernacle de l'église par un regard pendant qu'elle travaillait dans la vigne. Comme la grappe attachée à la vigne,
Je m'accroche à toi. Sa rencontre continuelle avec Jésus Eucharistie la porta à donner sa jeunesse au Seigneur. À 15 ans, elle fit le vœu de virginité pour toujours. Il y a des filles qui ont fait vœu de virginité pendant un an. Et moi, j'en connais une qui l'a fait pendant 2 ans. Je ne comprends pas pourquoi on doit demander la permission pour faire vœu de virginité. Et je ne comprends pas pourquoi on doit le faire pour un temps. Moi, je l'ai fait pour toujours. Et je ne crois pas m'être trompée. Pourquoi pour un an? Ou pour 2 ans? Avec Dieu, l'amour, c'est pour toujours. Et moi, j'ai choisi Dieu. Pour toujours. Du matin au soir, je fais tout avec lui et pour lui. Je fais tout par amour. Oui, tout. Marie-Dominique participait intensément à la vie paroissiale, surtout en faisant partie de l'Union des filles de Marie Immaculée. Je vous en prie. Nous sommes ici pour fêter la naissance de l'association. Mais avant tout pour remercier Don Pestarino de nous donner une place importante à nous les femmes dans la vie de la paroisse. Aujourd'hui, naît l'association des filles de l'Immaculée. Vous êtes 5. De l'aînée à la plus jeune. Vous serez le levain au milieu des gens de Mornaise. Levain par l'exemple, toujours. Levain par la parole, quand c'est utile. Vivez pleinement les valeurs de l'Évangile. C'est elle qui sera votre guide. Le chemin à emprunter, ce sera elle. Elle, l'exemple. À toi, très doux et unique époux, je veux rester uni. Toi seul, je veux aimer, pour toi tout laisser. Je veux vivre pour aider tous ceux qui ont besoin de moi. Et à toi, je veux les conduire. Toi seul, je veux aimer. Et pour toi, tout laisser. À toi, très doux et unique époux, je veux rester uni. En 1858, un événement grave vint bouleverser la famille Mazzarello. Elle décida alors de revenir au village et de louer une maison dans la rue Valgelata. Allez chercher le bois. Attends. Nos économies. Oh, boya farce. Maman, non. Ne parle pas ainsi. Ce sont de pauvres gens, ils sont plus malheureux que nous. Prions plutôt pour que Dieu change leur cœur. Ne vaut-il pas mieux que nous allions vivre au village? S'il était arrivé quelque chose à l'un d'entre nous, portez tout en haut. Oui, ça par là. Jésus, d'ici je ne te vois pas, mais je suis à quelques pas de toi. Je ne me suis pas encore arrêtée depuis ce matin et je suis restée un quart d'heure sans penser à toi. Jamais plus un quart d'heure sans penser à toi. J'ai peur. Les gens meurent. Tout le monde dit que c'est le typhus. Maïn, cours, le curé est venu à la maison, il parle avec papa. Ah
Avez-vous pensé au danger de la contagion? Envoyer Maïn soigner les malades du typhus? Non, 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 Don Pestarino, non, c'est impossible. Comment je ferais, moi, pour m'occuper toute seule de la maison, des enfants? Et les vignes? On ne peut pas arrêter le travail. Maïn travaille comme trois journaliers mis ensemble. Voilà, moi, je n'en vois pas, Maïn, là-dedans. Mais si elle veut y aller, je ne m'y oppose pas. Je veux y aller, papa. Maman, j'y vais. Ils ont besoin de moi. D'après leur règlement, les filles de l'Immaculée avaient l'obligation d'assister les malades du village. Ils sont tous guéris. Bientôt, toi aussi, tu seras guéri. Dirno. Oh. C'est elle qui a insisté. Mais que dis-tu? Imaginez quel beau cadeau ce serait pour moi de mourir martyr par amour. La madone t'a bercé et a voulu te laisser près de nous. Pour que dans notre maison, personne ne pleure. Jésus, je ne peux plus me lever à l'aube. Je ne peux plus faire de lourds travaux, venir à la messe le matin tôt. Si tu me donnes encore un peu de vie, fais que je sois oubliée par tous. Je suis heureuse si seulement toi, tu penses à moi.